Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Paul Lambertsen Golf. Aujourd'hui, à l'issue de l'hiver, je vous propose trois exercices pour bien rattaquer la saison. L'exercice pour renforcer vos appuis, reprendre un petit peu de force dans les jambes, améliorer ainsi votre puissance sur le parcours et gagner aussi en qualité de contact. C'est parti, on attaque tout de suite. Le premier exercice, ce sont les squats. Les squats, c'est ce qu'on appelle communément les flexions en français. On va effectuer une quinzaine ou une vingtaine de répétitions en fonction de notre état physique. Attention, lorsque vous faites des squats, je ne veux pas vous voir pencher le buste en avant. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'aimerais vous voir garder le buste bien droit. Ceux pour qui c'est un petit peu facile, vous pouvez le faire en rajoutant du poids, évidemment. Du poids ici, des haltères, par exemple, au niveau des épaules. Ou bien même, vous pouvez commencer avec votre sac de golf sur les épaules si vous n'avez pas de matériel à disposition à la maison. Donc, les squats, une quinzaine ou une vingtaine de répétitions, trois séries. Le deuxième exercice que je vous propose, ce sont les fentes arrière croisées. Je vais faire une fente arrière en venant croiser. J'en profite, on continue de travailler sur nos jambes, nos fessiers. On revient là, on remonte, on s'équilibre, on travaille notre gainage, notre équilibre et les muscles stabilisateurs des hanches. Même chose de l'autre côté. On va faire pareil, une quinzaine ou une vingtaine de répétitions de chaque côté en fonction de votre forme physique du moment. Trois séries. Troisième exercice que je vous propose, c'est la fente avant avec rotation du haut du corps. Je vais faire une fente en avant et je vais tourner mon corps du côté où je viens mettre mon appui. Je vais continuer de renforcer mes jambes, mais je vais également en profiter pour travailler la rotation du haut de mon corps, ma rotation thoracique. Et également, je vais travailler ma technique, puisque je vais apprendre à tourner, à placer mon poids, du côté vers lequel je viens tourner, exactement comme dans le swing de golf. Lorsque je prends mon élan, je tourne vers la droite, mon appui vient à droite. Lorsque je traverse, je tourne vers la gauche, mon appui vient à gauche. Donc, j'en profite pour travailler ma technique sans même avoir à me rendre au golf. Pour résumer, trois exercices. Premier exercice, les squats. 15 à 20 répétitions, avec ou sans poids. Deuxième exercice, les fentes arrière croisées. Et je vais me rééquilibrer des deux côtés. 15 à 20 répétitions, avec ou sans poids. Troisième exercice, les fentes avant, avec rotation. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne YouTube. D'ici là, bon entraînement à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos.